bientôt un nouveau Royal Wedding. Selon des sources proches de la famille royale britannique, la princesse Béatrice et Eduardo Mappelimosi seraient en effet sur le point de s'unir. Et sa mère, Sarah Ferguson, est très excitée à l'idée d'organiser la cérémonie. La princesse Béatrice est éperdument amoureuse et veut se marier le plus tôt possible et fonder une famille, a expliqué un proche à Fabulous Digital. Fergie a beaucoup de mal à contenir son excitation, quelques mois après le mariage de son autre fils, la princesse Eugénie. Et Sarah Ferguson n'est pas la seule à être enthousiaste de ce futur mariage. Eugénie et Jack sont ravis que Béatrice ait trouvé un homme attentionné, a continué la source. Il faut dire que les deux amoureux coulent des jours heureux depuis plusieurs mois. Béatrice Diorc, sœur d'Eugénie et cousine de William et Harry, est en effet folle amoureuse de son compagnon Eduardo Mappelimosi. Si les deux tourtereaux se connaissent depuis plusieurs années, ce n'est que récemment qu'ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre. Désormais inséparables, leur première apparition ensemble date de mars dernier, à un gala au National Portrait Gallery. Eduardo Mappelimosi est un ami de la famille royale d'Angleterre. À 34 ans, le multimillionnaire et magnat de l'immobilier a déjà un fils de 2 ans, prénommé Christopher Wolfe. Béatrice Diorc a donc rencontré son prince charmant, un rayon de soleil dans une vie sentimentale orageuse. Âgée de 30 ans, la petite fille de la reine, fille du prince Andrew et de Sarah Ferguson, a passé près de 10 ans avec son ex-compagnon, Dave Clark. Les anciens amoureux ont mis un terme à leur relation en 2016, une rupture qui a dévasté la princesse. Step up.